Il ne possède pas de prénom puisqu'il s'agit d'un chat, c'est moi, robotisé. Un chat robotisé, écoutez-moi, personnellement j'y ai vu que du feu. Voilà. Est-ce qu'il est dressé? Sur un autre temps, s'il vous plaît. On est dans une émission de télé, on regarde. Il s'agit d'un chat robotisé, donc ça permet de filmer les gens à leur insu. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour la vidéosurveillance des grandes surfaces, mais également en avoir un usage domestique. Je ne sais pas, Nicolas, si vous possédez ce qu'on appelle des enfants. Écoutez, à ma connaissance, pas du tout, en tout cas, mais... Eh bien, si vous en aviez, vous pourriez tout à fait les observer pendant qu'ils prennent leur bain tout nu et éviter ainsi un malheureux accident. Alors, écoutez, j'ai... Andréas, je vais faire une petite pause dans l'émission juste pour vous demander une petite faveur. J'aimerais beaucoup prendre ce petit chat chez moi. Alors, j'aimerais l'emmener chez moi après l'émission, s'il vous plaît. Non, vous pouvez le commander sur la boutique comme tout le monde. Non, je le veux. Donnez-moi ce... Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes... Mais ce petit chat n'est pas à vendre. Excusez-moi, je... Est-ce que je pourrais moins avoir la petite cassette avec les infas? Il suffit. Il suffit. Ce petit chat est la propriété d'une femme extrêmement moche, dont voici l'histoire. Légère réverbération sur l'intro pour que je foute de l'émotion aux gens. J'habite une maison dans laquelle j'invite mes amis. Quand j'ai fabriqué un chat pour observer les gens. Je suis là, Madjaman, Franck, on eut Franck.